Bonjour sur la chaîne Mianofi. Aujourd'hui, nous allons faire un cake au chocolat. Il nous faut donc 3 œufs, 175 g de farine, 175 g de sucre en poudre, un yaourt nature, 16 g de levure pâtissière, 120 g de chocolat noir, vous pouvez en mettre plus si vous voulez, 100 g de beurre. Pour commencer, on a mis le chocolat dans une petite casserole et avec 2 cuillères à soupe d'eau à fondre, et on a posé cette casserole dans une autre casserole avec de l'eau, c'est-à-dire au bain-marie, pour que le chocolat puisse fondre sans brûler. Le chocolat a fondu, maintenant nous avons l'enlevé du feu et le laisser refroidir, et tout en le remuant de temps en temps. Et pendant ce temps-là, on va préparer le reste. On a séparé les blancs d'œufs des jaunes, on a mis les jaunes à battre avec le sucre, et on a mis les blancs qu'on va battre par ailleurs tout seul. Puis on ajoute le beurre qu'on a coupé en petits morceaux pour que ce soit plus facile. Et on bat avec le mixeur. Puis on ajoute le yaourt nature. Et on continue à battre évidemment. Puis on ajoute le chocolat fondu, refroidi un peu quand même, et on mélange bien sûr. Une fois le chocolat bien mélangé, on ajoute la farine et la levure. Et on mélange. On a mis les blancs d'œufs à battre. Puis, donc, on ajoute les blancs d'œufs sur l'appareil. Et délicatement, tout délicatement au début. Et puis un peu plus rapidement après. J'ai mis moi la pâte dans 2 petits moules, je préfère avoir 2 petits cakes et ils sont plus croustillants à consommer, à manger. Mais vous pouvez mettre un seul moule, il sera plus beau. Si vous faites un grand moule, ce sera encore plus beau. Maintenant, on va les enfourner et la cuisson, il faudra compter 3 quarts d'heure. Et voilà, ils sont sortis du four, 2 petits cakes, 2 bons petits cakes. On va maintenant les attendre qu'ils refroidissent un petit peu, on les démoulera. Bon appétit.